Hop là, attention. J'envoie déjà plein me sauter dessus, me sortant « Ouais, tu dis ça parce que je suis pas doué, parce que je sais pas travailler seul sur YouTube, parce que je suis un incapable. » Pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. Quand je parle d'aide, je parle simplement d'une certaine forme de soutien, qu'il soit moral ou simplement de l'ordre d'une petite participation physique lors de la création des vidéos, et je me contenterai ici simplement de vous dire cela. Ce n'est pas parce que vous avez un peu besoin d'aide que par la suite, vous n'arriverez pas à vous faire une place par vos propres moyens sur la toile. L'aide que vous allez certainement recevoir ici est une petite aide qui ne sera jamais de refus, et croyez-le ou non, mais de la part de quelqu'un comme moi qui a commencé par être aidé par des personnes qui avaient envie de croire en ma chaîne, de se dire que tout cela était nécessaire et que parfois, il était important selon eux de se mettre au travail pendant des heures, voire des jours sur un projet qui serait de courte durée, mais dont on serait fier. Cela est un peu comme admettre que je n'ai pas créé cette chaîne tout seul, et clairement, c'est le cas. J'ai été pas mal aidé au début, et même encore aujourd'hui, je suis aidé. Et je pense que chacune des personnes qui m'a aidé croyait profondément en la possibilité du contenu qu'on allait offrir aux gens. Il est important de se dire que même encore aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de pleinement percer sur YouTube en solo. Et que si vous voulez vraiment réussir, il faudra réussir à cerner que vous allez acquérir une certaine expérience, mais qu'une aide sera toujours la bienvenue pour avancer. Je pense à une aide simple, mais celle d'un cadreur au début, qui saura peut-être vous aider à comprendre et aller dans une direction où la mise en scène deviendra un jeu, et non simplement un calvaire de création. Je pense à une aide qui peut prendre la forme d'un acolyte créateur, quelqu'un qui vous accompagnera dans la manière de développer votre point de vue face à la caméra, comme j'ai souvent l'aide de créateurs ou d'orateurs qui accompagnent mon avis sur certains films, parce que selon moi, c'est important d'avoir leur avis sur mes vidéos. C'est une aide qui en rien ne plombe ton contenu, bien au contraire. Il faut simplement le voir comme quelque chose qui t'aide à la fois à travailler, à la fois à comprendre ce que c'est que de travailler en groupe, et surtout, tout simplement, à faire évoluer ton travail. J'estime aujourd'hui qu'on a trop souvent tendance à faire de son expérience sur YouTube quelque chose de solitaire, là où seulement ceux qui ont une énorme communauté peuvent se permettre de demander de l'aide à certains qu'ils paieront pour aller de l'avant. Et je pense profondément que certaines personnes seront prêtes à vous aider même si vous ne pouvez pas les payer, presque uniquement pour le plaisir de créer quelque chose. Une petite bière en fin de journée sera évidemment la bienvenue pour les remercier, voire même une petite soirée avec quelques gâteaux apéro pour les gros projets, mais en tout cas, une chose est sûre, il est indéniable qu'un peu d'aide pour créer une mise en scène et un contenu à la hauteur de ce que vous estimez être juste pour votre communauté ne sera jamais pris comme une forme de faiblesse, bien au contraire. Cela sera souvent vu comme un moyen de repousser vos limites et d'aller encore plus loin que ce que vous auriez pu imaginer de plus fou. Une fois qu'on aura clos cette porte, tu vas pouvoir te poser une question digne d'un énorme blockbuster d'Hollywood qui va te faire tirer la moindre mèche de ton crâne pendant des heures et des heures. Est-ce que tu dois toujours en faire plus ? Ben moi, j'aurais envie de te dire oui.